Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tuto, une vidéo que je n'avais pas prévu de faire à la base en tuto, que je n'avais pas prévu de faire du tout. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé où j'ai trouvé le tuto justement pour cet outil donc qui me sert à faire mes angles quand je fais mes albums. Alors moi je l'avais trouvé sur une espagnole sur Instagram qui avait fait une vidéo tuto dessus. Mais je sais qu'il y en a énormément de vidéos tuto sur YouTube. On m'a cité justement lors du live, vous me l'avez demandé la vidéo, plusieurs noms, je ne saurais vous les dire, je ne sais plus du tout. Mais voilà, vous avez souhaité à ce que, au lieu de chercher les liens, je vous fasse directement un tuto. Donc le voici, le voilà, on attaque. Donc pour le faire, moi j'ai pris un carton de 14 sur 14 cm. Donc voilà, j'ai déjà fait toutes mes marques un petit peu pour vous donner, pour pas me tromper surtout. Hein. Du coup, on va faire les marques ensemble. Ce coup-ci, je vais prendre un stylo qui fonctionne bien. Hop là, voilà, j'ai Olaf. On va prendre Olaf. Du coup, alors, vous prenez ici, vous prenez 3 cm et vous faites une marque. Alors, je vais vous baisser, ce qui va être beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Donc ici à 3 cm, on fait une marque, ainsi que ici, hop là, 3 cm, et on trace un trait. On fait pareil de l'autre côté, hop là, 3 cm, et là, 3 cm. On trace un trait. Donc voilà, donc là vous avez ceci. On va découper ici. Donc moi je vais prendre mon cutter. Donc j'ai pris du carton compressé hein, pour que ce soit épais. Après vous pouvez très bien prendre des vieux calendriers. Je sais, au niveau carton, vieux carton, je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc je ne vous le conseille pas. Carton compressé ou vieux calendrier. Il faut que ce soit tout de même assez épais. Hop là. Il ne veut pas se découper. Hop là, correctement. Que ce soit propre. Hein. Donc voilà, donc ici là on a un angle. Ensuite au niveau de l'angle, je vais prendre ici à 5,5 cm. Donc 5,5. Et ici aussi 5,5. Et je vais tracer un trait. Vous voyez, donc du coup, là, ça laisse une toute petite marque. Ouais, je l'avais mal fait la première fois. Et du coup, c'est pareil, on va venir couper. Alors là, par contre, je vais prendre directement mon ciseau. Hein. Et du coup, on a notre première étape. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre du papier. Alors, un, c'est Noël. Moi, j'avais envie de faire sur le thème de Noël. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc, du coup, hop là. On va venir le coller ici, comme ceci.
on n'hésite pas. Voilà, on met bien de la colle. Moi, je l'étale bien partout. Voilà. On va venir découper. Le cutter pour l'angle. Ah, il est décidément, il est vraiment fort. Cet angle de malheur. Voilà. Donc, hop là, ici, on a le premier côté. Et en fait, eh ben, il suffit de faire la même chose avec l'autre côté. Donc voilà, on a notre première partie et comme ça va être un petit peu fragile, hein, vous voyez, pour solidifier, on va prendre un carton ici. Alors, on reprend la chute et voilà, moi, ce que je vais faire, c'est, hop là, je vais mettre ici, hop, et là, donc il faut compter à peu près... on va dire, on va prendre 9,5. Vous voyez bien. Donc, du 9,5. Là. On peut faire un trait. Là. Donc, le trait, vous faites assez grand quand même. Et au niveau de la largeur, on va prendre du 3 cm. Donc, ici. 3 cm ici aussi et hop là je trace un trait. Donc, hop là, on va venir découper. Et on va venir l'installer après ici comme ceci. Donc on regarde, on vérifie d'abord. Hop là. Donc là. Comme ça. Et on va venir ici. Et ici faire les marques. De façon à pouvoir les couper.
Ensuite, je vais prendre un autre papier décoratif. Ce coup-ci, je vais me contenter d'une chute, donc là, comme ça. Et je vais venir coller. Voilà. Pareil, on découpe tout autour. On recommence avec l'autre face. Donc ici, je suis désolée pour les bips. J'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Mon téléphone, mon PC. Hop là, voilà. Et du coup, on colle ici. On découpe autour. Voilà. Et on a nos deux côtés et on va venir du coup le coller ici de façon à bien le solidifier. Moi je vais mettre de ce côté là. Hop là. Ouais, c'est juste parce que là, c'est pas net net en fait. Tout simplement, il n'y a pas de côté. Vous mettez n'importe quel côté. Hein. Et hop là. Et voilà. Sauf que, bien évidemment, j'ai mis de la colle ici alors que je n'aurais pas dû. Donc faites pas la même erreur que moi. Hop là, voilà. Rectifié. Donc voilà, vous avez votre accessoire pour faire vos angles d'album. C'est vraiment un tuto très très simple, hein. C'est vraiment très très facile à faire. Là vous du coup vous l'avez sur le thème de Noël et ici vous l'avez sur le thème tout simple avec ce papier que j'aimais bien aussi. Donc voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Hein. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.